Attends, je tire sur les flics là. Oh, je vais pas. Oh, je me suis fait déglinguer. Attends. Mets le masque. Jibril, il m'a dit à la radio qu'il se fait suivre par les flics. Oui, je suis les flics. Ouais, il y a les flics qui sont passés juste devant moi, j'étais dans un buisson, frère. The fuck. Attends. Ouais. Oh le patin. Vas-y, roule. Prends ta position et puis je viens, tu vois. Vas-y, je vais essayer de me trouver un coin tranquille. Vas-y. Je te recontacte. Vas-y, tiens-moi au courant. Jibril, ouais. Je parlais avec Doumé, frère. Les flics, ils le poursuivaient. Ils savaient pas que c'était lui parce qu'ils devaient le contrôler. Lui, il a fui. Et là, il est tout au nord de la ville. Wesh, le mec le plus recherché. Salut les gars, vous voyez pas aucune menace, mais c'est juste par précaution. Oui. J'ai une personne en arrière qui a vos noms et prénoms et suffisamment d'argent pour payer ce qu'il faut pour vous éliminer s'il m'arrive quoi que ce soit. Wow. Toi t'es un mec chaud toi. Vas-y, ferme ta gueule, prends pas pour Jacques Mesrine, vas-y, je te prends ton arme, tu témoins de communication, fais pas le fou avec moi. Y'a un hélico juste au-dessus de nous pour info. Hein. Ouais, il est derrière nous. T'as vu? Casse-toi. C'est les flics. Mais ils sont juste au-dessus. Descendez du véhicule, véhicule. Ah ben nique toi, on va voir si je descends. T'as baisé celui-là, rien combien m'a rentré. Ouais, je vois, il tire dessus. Frère, juste parce qu'il m'a rentré comme ça, sur ma vie, ça m'arrête pas, ça allait m'arrêter, tu vois. Il s'est niqué. Ah mais là, c'est... Ouais, fais gaffe. Non, là, c'est juste... C'est de trop, là, je commence à saturer, frère. Ouais, frère, je pense que c'est vraiment de trop. Je peux pas finir dans le coma. Juste, okay, fuilez. Après, on verra. Ah, on va voir si mon petit rue ici. Bon, après, c'est une route tranquille. L'hélicoptère. Je crois qu'il nous voit. L'hélicoptère. Non, il est là-bas. Go en ville. De toute façon, on s'en bat les couilles. Jibril, il a le mec, donc il le recherche. Attends, ils sont partis. Regarde la route. Non, moi, c'est dit, ce qui me saoule. Ouais, c'est que tu vois, ils se mettent à côté de nous. Et ils s'arrêtent. D'accord. Regarde comment ils nous ont rentrés dedans, frère. Ouais, c'est quoi cette police, frère? C'est... On se croirait. On dirait des gosses qu'ils ont relâchés, frère. Ils sont partis. Vas-y, go en ville. Go à l'appart. Appart plage. Tu m'as dit quoi? Non, doucement. Heureusement qu'on a pris les motos, hein. Voilà. Frère, c'est pour ça que je vais en moto dans ces genres de situations. Ah ouais, de ouf. Tu veux mettre un GPS sur l'appart? Ouais, vas-y. L'appart Netflix ou l'appart normal? Comme tu veux quoi? Un endroit où t'es sûr qu'il y a personne qui va venir. Vas-y, on va à l'appart normal. Non, mais l'appart normal, pas de nez. La plage alors? Hein? La plage. Ouais. Ouais, le mec il nous a dit quoi? Oh là, il nous a fait une scène, il a dit, tu sais, je vous donne rendez-vous. Tu sais, au début il disait, je te fais pas confiance à toi, Dick. Après il m'a dit, ok, vas-y, on se donne rendez-vous. Ah. Après j'arrive et tout. Il me dit, ouais, t'es venu avec qui? Je dis, bah, je suis venu avec Jibril et tout. Il me dit, ok, vas-y, j'arrive, mais t'inquiète pas, j'ai méga sûr et tout. Il vous est dans le viseur et tout. Je fais, ok, vas-y, si tu veux. Il vient, on commence à papoter et tout. Après Jibril, il vient, on le braque. Je fais, vas-y, charme le flingue, je dis, vas-y, arrête de faire ton Jacques Mistrin, fils de pute, vas-y, à terre et tout. Dis à tes mecs de venir et tout. Il a commencé à dire, non, ils peuvent pas venir et tout. Je dis, pourquoi? C'est du bluff? Il me fait, non, c'est pas du bluff, mais en gros, tu sais, c'est du bluff quoi, tu vois. Il y avait personne, tu vois. Il m'a dit comme quoi il a contacté des mecs à Nîmes, je sais pas quoi, tu vois. Ouais, il y a les flics après moi, mais c'est t'inquiète, ici, y'a pas ça. Sérieux? De toute façon, tu t'es dit, ils sont en voiture, tu prends la montagne, c'est bon, ils peuvent pas suivre. Dis-lui, appart. Après, tu vas mollo sur la montagne, tu vas pas presser. Viens, appart plage, Netflix. Et c'est dit, vas-y, mollo tranquille, fais juste. Tu vois, s'il y a un Netflix. Why? Mec, attends, t'es au calme. Frère, je crois qu'on est dans la merde, il faut vite qu'on se casse. Ah ouais. Frère, si tu vois un hélico, tu prends un pont, t'attends un peu, tu fais un dump, c'est bon. Tu te casses sous des arbres et tu fais un dump, d'accord? Ah gros, moi je t'ai dit, si les flics sont à bout. Je vois ça, hein. Attends, je vois s'il y a pas un flic, c'est son numéro. Attends, mais pourquoi? Ouais, moi. Eh, tu sais ce que j'ai fait? Je suis passé devant le comico tout à l'heure. Je vais te raconter que c'est mon fait tout à l'heure, c'est sûr, frère. Je suis passé devant le comico. Ils m'ont tiré dessus. Écoute. Attends, je suis passé devant le comico. Je leur ai tiré dessus, j'aurais crevé les pneus, j'ai déglingué leur voiture devant le comico. Voilà que t'as bien fait, frère. Ouais, t'as dit quoi? Il y a Doc qui m'a envoyé un message. Ouais, il est là? Ouais, il m'a envoyé un message maintenant. Ouais, vas-y, go, on va le voir. Attends, d'abord on va s'occuper de Doumé, on va pas faire 50 trucs en même temps. Raconte-moi. Parce que moi j'ai dit, les flics là ils me recherchent. Hein. Attends, regarde, frère, tout à l'heure tu me dis, va voir Jibril, je vais le voir. J'arrive sur la place où il m'a donné la pause, y'a personne. Ouais. Je m'arrête, je vais t'appeler, je viens pour t'appeler. Un véhicule comme ça, noir, mais il rentre dedans, il me dit, arrête-toi, ils sont cagoulés. Je vais, mais il t'a baisé celui-là, je vais m'arrêter, je me casse. On tire dessus instant, frère, on crève les pneus. Wow. Je sors, tu vois, normal en mode merde, je suis baisé. Je vois que c'est des flics en réalité. Frère, j'ai mis des patates aux flics, j'ai tabassé. Frère, je suis en moto, je peux pas venir chercher, je suis en moto. Vous avez pas un véhicule? Attends, on va. Attends, j'ai trouvé une moto, j'arrive tout de suite. Il faut l'aider là. Sérieux, il a crevé la moto? Ouais. Putain. On arrive. Envoie-moi ta position. Putain, y'a Camille. Ah, Camille m'appelle pour me dire qu'il y a le doc. Ouais. Oui, Dick. Ouais. J'ai fini mon scène, je le cherche si vous voulez voir un coup à la plage ou un truc dans ce style. Bah là, ça va. On m'a dit que le doc était en ville, c'est vrai? Il vient d'arriver, oui. Ah bah ouais, fallait m'envoyer un message. Pourquoi je t'appelle? Ah, ok, d'accord. Ouais, je vois, c'est pour le check-up, tout ça, là? Oui. D'accord, ok. Bah merci, oui. C'est cool.
que normalement il est en ville. Hein. D'accord. Bisous, hein. Merci Camille. Je te tiens au courant. Ça marche. Eh, s'il se fait attraper par les flics. S'il se fait attraper par les flics, il a qu'à dire que frère, ouais. c'est pour attraper le mec, c'est tout. Eh, Walid, si tu te fais choper par les flics, tu dis que t'allais le ramener au poste du commissariat. Mais tu savais pas si c'était qui te poursuivait. La couille. Attends, mais reviens pas. Il fait des bruits bizarres, je crois qu'il s'est fait. Ouais, mais reviens pas vers la position. Il fait des bruits bizarres, frère. Ouais, mais reviens pas vers la position. On va à l'appart, nous. Il se fait attraper par les flics, on va pouvoir pas y aller. Ah, frère, moi je voulais l'aider, mais là il me fait des bruits, j'ai l'impression qu'il s'est fait neutraliser. Ouais, c'est mort. Tout à l'heure, la même scène, frère. Il se fait neutraliser, je vais sur place et je me fais enculer, frère. Ouais, c'est mort. Vas-y, remets-moi le point. Attends, je vais enlever. Ouais, le doc il est en ville. Je t'explique. Le doc il est en ville. Vas-y, termine, ouais. Donc il me tire dessus. Ouais, si, donc il me tire dessus. Je vois que c'est des flics avec des cagoules comme ça. Ouais, il me dit, ouais, pourquoi tu t'arrêtes pas? Je fais donc un véhicule noir, je sais pas c'est qui, y'a pas de série. Bah ouais, cagoulé, qui dit arrête-toi. Dites, c'est la police, moi comme un Ahmar, c'est ça. Mais ils ont pas dit police, arrêtez-vous. Bah juste ouais. Arrêtez-vous. J'aurais dit, et genre, moi comme un teubé, je vais dire, mais oui, bien sûr. Évidemment. Et la police. Évidemment. Voyons, non, mon cher. Voyons, moussaillon. Voilà, c'est bien. J'aurais dit, déjà, en plus, ils m'ont même pas lu, enfin, ils m'ont lu mes droits, mais ils m'ont même pas dit pourquoi je suis arrêté. Ouais, et du coup, dans le code pénal, c'est bien, j'aime bien casser les couilles avec ça. Bah ouais. Dans le code pénal, s'ils te disent pas dans les 15 minutes pourquoi ils t'arrêtent, ouais, tu peux jouer avec la vis de procédure, tu vois. Et bref, ils m'ont mis une petite amende, ça va. Combien? Et voilà. Ah, y'a Doc qui m'appelle. Attends, je réponds. Eh, doucement la moto, doucement. Allo? Arrête. Une balle dans la ouais, tête, mon pote. Ouais, c'est le petit broc. Ouais, Ah, bah, j'ai envoyé un message, j'ai entendu une réponse, c'est bien que vous répondez. Avec votre zouz. Ok, je sais pas ce qu'elle veut dire, mais d'accord. Pas de soucis, vous êtes où là? Ah, bah écoutez, vous voulez qu'on se rejoigne où? Que vous voulez me voir? Quel parking? Central? Ok, y'a pas de soucis. Vas-y, arrive tout de suite alors. Ah, il m'a dit parking central. Bon, vas-y. Je crois que je vais te laisser ma moto et je vais aller à pied et je vais faire comme si j'avais pas de véhicule, d'accord? Vas-y. S'il y a quoi que ce soit, t'arrives, tu dégommes tout. T'inquiète. De toute façon, je vais juste voir ce qu'il veut en fait. Je vais pas poser de questions par rapport à la dernière fois, tu vois. Laisse-moi descendre. Non. Je vais rien dire. Descends ici et. Oh, c'est bon. Là. Oh, t'inquiète. Ok, il est juste là. Vas-y, je te tiens au courant, téléphone ou radio. Vas-y. Oui. Ouais. Ah, j'ai oublié de te dire. Ouais. Ils m'ont confisqué toutes mes armes, donc j'ai rien. Non. Je te jure. Putain, pourquoi? C'est pas les flics, ils ont décidé de me confisquer tout ce que j'avais sur moi, frère. Oh, les fils de pute. Les fils de timbre, je te jure. Vas-y. Bah, mais attends, mais Doc, il est pas là, je vois pas où il est. Hein. J'ai vu juste un mec sortir avec une moto, je pense que c'est un flic en civil. Il est en moto noire. Eh, hey, il arrive, je crois. Il va arriver. Vas-y. Je crois que c'est lui, hein. Il est arrivé, je crois. Bonsoir. Eh ben, bonsoir. Oui, Doc. Venez, venez. Vous pécho, vous étiez en train de pécho les gars du LSMS. Je vais pas vous mentir, ça me fait un peu chier. Disons que je vais pas vous mentir, je vais jouer une carte sur table, mais le nom de votre petit gars, là, le petit Salah, il est revenu plusieurs fois à mes oreilles. Bah, disons qu'il a pécho pas mal de mes gars du LSMS, dont un qui a disparu. Et pourquoi il ferait ça? Il y a une raison? Allez savoir, et comme de par hasard, il fait ça avec deux autres gars. D'accord. Je vais pas vous mentir, hein, monsieur Hawk. Oui. Mais deux autres gars, comme de par hasard, qui font partie du groupe de monsieur Salah, vous savez lequel des noms que je parle? Bah, dites-le moi. Monsieur Hawk et monsieur DiCaprio. D'accord. Ça veut dire quoi? Et bah, j'aimerais pas savoir pourquoi vous soulevez des gars du SMS. Surtout si vous balancez. Je fais quoi que ce soit, ou que même monsieur Salah fait quoi que ce soit. Comment vous... Enfin, vos gars du SMS peuvent dire ça, je veux dire, ils sont sûrs? Ah non, c'est pas mes gars du SMS qui ont dit ça, c'est d'autres gars qui ont sorti des trucs comme ça. Ouais, ok. Ok, déjà... ces gars-là se trompent alors. Ok, je vais vous expliquer un truc, monsieur Hawk. Déjà, d'après l'un de mes gars qui a reçu un appel au nord de la ville, il a reçu un petit appel coma. Et comme de par hasard, ce petit appel coma, la personne était plutôt de type... comment dire, mat de peau, avec des dreads un peu blanches. Et ce gars-là, il était pas du tout dans inconscient. Déjà, ça c'est louche. Ah. Ensuite, les deux gars qui ont pécho ce gars-là, ils étaient plutôt en mode, on attend, en mode traquenard. Ouais. Et ça, c'est encore plus louche, monsieur Hawk. Ouais, mais je comprends tout à fait ce que vous me dites, Doc, mais je comprends pas pourquoi vous me dites ça à moi, dans le sens où, je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes incertain que c'est moi, alors que, ou même que ce soit l'autre, là, le monsieur Salah que vous dites, mais je comprends pas pourquoi vous le pointez du doigt, comment ces personnes peuvent dire que c'est telle ou telle personne? Attendez. Qu'est-ce qui a fait comme ça? Ensuite, j'ai des noms, des gens qui ont parlé en ville, parce que je peux vous dire que les gens parlent. Ah, je peux vous dire qu'ils ont la langue pendue, hein. Ah ouais, ça, je suis d'accord. Attendez, les flics qui cassent les couilles, hein. Allô? Ouais.
Ouais, il se passe rien là, tranquille. Ouais, vous inquiétez pas la team, restez en stand-by. Bref. Disons que les gens ont les langues bien pendues. Ouais. Et ensuite, il y a des gars qui ont parlé d'un certain monsieur Salah qui ont envoyé des messages plutôt de type Salas à un certain monsieur Masaki. Monsieur Masaki qui fait partie de l'hôpital et qui a disparu depuis déjà 2-3 jours. Et on veut quoi? Ok. Après, je peux lui en parler pour essayer d'avoir des infos par rapport à ça, je sais pas, mais. Vous dites ça, moi je suis au courant de rien. Moi j'ai envie de savoir ce qui se passe. Ensuite, moi je vais vous dire un truc, Doc. Moi le truc que je déteste, c'est qu'on m'accuse à tort. Et ça, c'est vraiment un truc qui me rend de moi. Donc si vous voulez parler, il n'y a pas de problème. Vous me dites ne prenez pas pour un con, ça veut dire quoi ça? Vous allez prendre comment? Attendez. Vous voulez me parler, pas de problème, je sais pas. Vous me dites pas des choses que. Voilà, moi je vous dis, je pose des questions, vous me posez des questions. Mais après quel moment je vous dis, enfin si je sais pas, je suis pas sûr d'une chose, je peux pas vous la confirmer. Ensuite, vous avez pêché un gars il y a pas longtemps. Un certain, c'est quoi son blase déjà? Enfin bref, moi, je peux gars-là aussi, il a la peut-être, on va la supposer. D'accord. Ce gars-là, il a la langue bien pendue aussi. Et disons que, il se rappelle d'un certain monsieur Salah aussi. D'accord. Un petit, comment dire, un petit mat de peau avec des dreadlocks blanches. Ouais, le truc. Et ce petit mat de peau avec les dreadlocks blanches, il a soulevé. Et ce gars-là. D'accord. Ensuite. Parce que donc une personne a des drogues blanches, on pense directement à monsieur Salah. Donc, une coupe de cheveux appartient à une seule personne. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences, monsieur. Ouais, c'était peut-être des coïncidences, je peux être d'accord. Là, je suis d'accord avec vous. Il se peut qu'il y ait des coïncidences, mais moi, personnellement, c'est pas parce qu'une personne a telle coupe ou a tels yeux ou a tel nez que je peux dire que c'est tel. Tant que j'ai pas, on va dire, la photo du visage complet ou j'en sais rien. Disons que le blaze de monsieur Salah est quand même ressorti pas mal de fois. Enfin, bref. C'est quoi son blaze? De comment ça son blaze? Bah c'est Djibril Salah, non? Ah, ok, vous dites son nom. Ouais, parce que vous dites son blaze, je dis oui. J'ai envie de parler de Doucet aussi. Doc. Allez-y. J'ai dit, tout va bien dans votre hôpital? Ouais. Il se passe rien, là? Je sais pas, y a pas des petites surprises, des petites soirées déguisées, noires et tout ça, non? Rien de ça. Vous êtes sûr? Mec, armé, hôpital. Ouais, ah ouais. Ok, pourquoi, ok. Pourquoi? Vous me demandez où est-ce qu'il est Doucet? Non, c'est pas pour ça. Parce que à la base, j'allais juste vous demander pourquoi... Des personnes tout court. Je sais pas, j'ai entendu des rumeurs, j'ai entendu dire qu'il y avait des personnes qui allaient s'amuser à l'hôpital et qui partaient armées, tout ça. Vous parlez du braquage, quelle autre fois, malheureusement, à ce moment-là, j'étais parti en ambulance pour checker les nouvelles réformes d'hôpital. Il bégaye. Ouais. Des nouvelles ambulances qui nous permet de checker les natifs en ville. D'accord. Du coup, c'est pour ça que j'étais pas dans ma camionnette ou quoi que ce soit. Je l'avais laissé à l'hôpital. Alors qu'on commence pas à me dire ce genre de truc. Bah, moi, je me suis juste posé question. J'ai rien insinué. Je vous ai rien dit sur vous. J'ai juste demandé qu'est-ce qui se passe à l'hôpital. Pourquoi il y a des personnes qui s'amusent. Enfin, de ce que j'ai entendu, hein. Comme j'ai dit, c'est des rumeurs, j'ai entendu. Qu'il y a des personnes qui s'amusaient à venir braquer l'hôpital comme ça pour fun. Après, vous me parlez de Doucet. Doucet, il y a quoi? Enfin, malheureusement, je suis triste pour lui parce que voilà, j'ai appris sa nouvelle, mais je sais pas, vous me dites, vous me parlez de Doucet. Qu'est-ce qu'il a à voir avec l'hôpital? Il n'est pas parti de son groupe. Quel groupe? Le groupe qui devait braquer la banque. Ben non, j'ai vu sa vidéo, mais justement, moi je pense que ces personnes peut-être l'ont forcé à dire quelque chose, j'en sais rien, mais moi j'en sais strictement. C'est bizarre, monsieur Hawk. Parce que moi j'étais bien au courant avant la vidéo, monsieur Hawk, de cette histoire. Bah ouais, mais moi je vous dis, Doucet à la base, c'était pas mon pote. C'était une personne que j'ai connue, oui. J'ai rencontré, très gentil, je ferai même pas de main mouche, mais de là que. Moi, c'est sincèrement, si un jour. Allez, entre nous, hein. Si un jour je décidais de faire quoi que ce soit, ce serait sûrement pas avec Doucet. Je pense que. On est tous d'accord sur ça. C'est vrai. Donc, je vois pas pourquoi je me jetterais dans la gueule du loup, j'ai envie de dire. Donc, soit quelqu'un. Soit. Je sais pas, ce jour-là, Doucet a menti. Soit des personnes lui ont forcé à dire certaines choses, j'en sais rien. Mais. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'était quand il était à l'hôpital. Et puis, disparition. Alors pourquoi j'ai entendu vos noms en même temps, bien avant que la vidéo sorte? Et qu'est-ce que vous avez entendu? J'aimerais savoir. J'ai entendu qu'un certain monsieur DiCaprio, d'un certain monsieur Doucet, d'un certain monsieur Salah et d'un certain monsieur Hawk qui préparaient. Oui, mais ça c'est des braquages de banque. Ah, et on vous l'a confirmé? On me l'a confirmé. Ok. Et qui vous l'a confirmé? Monsieur Doucet. Donc monsieur Doucet vous l'a dit. Et pour quelle raison il vous dirait ça? Il m'a dit attends. Disons que j'ai mes raisons et qu'il avait ses raisons. Mais non, si vous me dites ça, c'est que... Déjà la dernière fois, regardez, ils l'ont braqué et il a commencé à avouer des trucs où j'en sais rien, vous comprenez? Là, s'il y a personne, tu vois. Bougez pas les gars là, vous faites quoi là? Faut que c'est un rendez-vous romantique ou quoi là? Rendez-vous romantique ou quoi? Je te prends ton téléphone, je te prends ton arme,
et je te prends ton arme. Lève les bras. Lève les bras, ferme ta gueule. C'est à qui la voiture là? Vous pouvez faire ça comme ça. C'est à qui la voiture là? Mec en bonnet, tu vas conduire, dépêche-toi. Toi, tu montes derrière avec moi. Tu montes derrière avec moi, dépêche-toi. Allez, monte, dépêche-toi. Roule. Dans un endroit tranquille. Un endroit posé ou calme. Allez, dépêchez-vous là. Calme, hein. Pas besoin de. Je sais pas, t'as une maison, t'as un appartement, t'as quelque chose, non? Dépêche-toi, tu parles trop là. Agis. Dépêche-toi, agis. Ça parlait de quoi les deux là? Vous parlez de quoi là? Bah, comme vous avez dit, du beau temps. Moi je vois deux mecs bien habillés. Moi je vois deux mecs bien habillés, bien coiffés, qui ont peut-être de l'argent à cracher, si tu vois ce que je veux dire. Je suis pas bien habillé, regardez, je suis habillé comme un clochard. Ah, c'est comme. Bah, en tout cas, t'es bien habillé que moi. C'est quoi ton nom, toi? Avec le bonnet là? Moi c'est Hawk. Ryan Hawk. Ok, et toi? On m'appelle Doc. On t'appelle l'OVNI? Non, le Doc. Le Doc? T'es le Doc de la ville, t'es docteur? On peut dire ça, ouais. Vous faisiez quoi les deux? Vous parlez de quoi du coup hein? C'était quoi le sujet là? Elle mentait pas. Attends. Dis-moi le dîner romantique. Dîner romantique? Y'avait pas de bouffe? Elle était où la bouffe? Eh ben j'allais les emmener, les nouilles. D'accord. Et c'est bon ici, ça vous va? Ouais, c'est bon, parfait. Allez, descendez les deux, dépêchez-vous. Hein. Descendez. Le mec en bonnet avec tes lunettes là, casse-toi. Ouais. Casse-toi de là. Bouge de là, wesh. Je peux trop voir, clochard. Toi contre le mur, dépêche-toi, contre le mur. Là, Doc. T'écoutes pas, Doc, là. Pourtant, t'es médecin quand même. Vous jurez quoi? Serment, comment ça s'appelle? D'Hippocrate ou d'Hypocrite? Je me rappelle plus le nom. D'Hippocrate. D'Hippocrate. Je crois que c'est plutôt Hypocrite. Viens, suis-moi, dépêche-toi, viens. Vas-y, montre-moi comment tu montes les escaliers là. Et j'espère que l'hélicoptère c'est pas pour toi. Hein. T'as prévenu les flics ou quoi? Moi je prévenais les flics. Est-ce que t'as prévenu les flics? Moi je les préviendrai, ça me servira à quoi? Je sais pas, je te pose la question. Non, les flics, ça me sert à rien. Ok, bon, vous parlez de quoi là, dépêche-toi? Vous parlez de quoi avec le hook ou là, je sais pas comment il s'appelle là? De deux gars qui soulevaient des médecins. Deux gars qui soulevaient des médecins? Pourquoi y a des gars qui s'amusent à soulever des médecins? Pourquoi ils souleveraient des médecins? Bah, ouais. Pourquoi ils souleveraient des médecins? Bah, aucune idée, parce que j'en sais rien. Comme ça, t'en sais rien? Savoir. Non, ils doivent magouiller, c'est pas possible. Ils doivent magouiller, c'est pas possible. Bah, sûrement. Ah ouais, ils magouillent dans quoi? Peut-être que ça leur fait plaisir, peut-être qu'ils. Tu magouilles, toi? Ils ont peut-être des. Toi, tu magouilles, toi? Moi, je magouillerai. Bah, ouais, je te pose la question. Ça fait bien ma vie, médecin. Ok, écoute, je réponds de ma main gauche, mais mon bras droit est toujours pointé sur toi, ok? Tu bouges pas, je vais te ligoter. Ça marche. Je ligote les mains, les pieds. Bon, je te laisse la bouche parce que t'as quand même une belle gueule, ok? C'est vrai que j'ai une petite gueule d'ange, ouais. C'est une belle soirée, je trouve. Hein. Ouais. Ouais, juste, je vais te dire un truc rapide. Bon, j'ai pas d'armes, j'ai rien, donc ça sert à rien. Moi, ce que je te propose, c'est de faire prendre la voiture, cassez-vous loin, genre loin de là. Comme ça, moi, j'appelle les flics, je fais comme si on nous a kidnappé, comme ça, tu vois. Genre, le doc, il va se dire, ouais, c'est bizarre, il appelle pas les flics alors qu'on se fait truc. Tu vois ce qu'il veut dire s'il demande aux flics, c'est une plainte ou quoi? Tu vois ce qu'il veut dire? Négatif. Ouais? Non. Je pense pas que c'est une bonne idée? Non, négatif. Ok, bah, moi, je propose ça, c'est juste pour avoir une couverture pour pas qu'ils se doutent pourquoi c'est pas appelé les flics, quoi. Non, négatif, t'inquiète. Vas-y, tiens-moi au courant. Vas-y, ça marche. C'est ma femme! Elle me demandait si je préférais les spaghettis ou le macaroni. Elle est vraiment conne, hein. Ah, je dirais les macaronis, hein. Ça nous fait un point commun, déjà. Bon, dis-moi, c'est quoi ton nom, ton vrai nom? J'ai pas de vrai nom, on m'appelle juste Doc. Non, mais t'as... C'est de naissance. Montre-moi ta carte d'identité, dépêche-toi. Bah, la carte d'identité, je l'ai plus. Comme ça, tu l'as plus? Balancé. Tu te fous de ma gueule, là? Bah, je l'ai balancé. Tu te fous de ma gueule? Ah bah non, je me fous pas de ta gueule. La carte. J'aime pas qu'on se fout de ma gueule. Ah, nom de Dieu. Vraiment, regarde, oh, je te soutiens, tu vois, tu tombes pas complètement, tu vois. Je suis pas un bâtard. Faut pas me mentir. Doc, faut pas me mentir. Attends, je vais t'aider à te relever. Je t'aide à te relever. Tranquille. Vas-y, relève-toi. Vas-y, mets-toi contre le mur, dépêche-toi. Passe-moi ta carte d'identité, dépêche-toi là. Bah, c'est pas facile avec les mains ligotées. Bah, tu sais quoi, je vais juste te délier la main gauche. Tu vas lentement la glisser dans ta poche. Et tu vas montrer ta carte d'identité, ok? Ok. Ah, bah voilà, on y est. Très bien. Frankenstein. Ouais, tes parents, ils avaient de l'humour, hein. Putain, ils avaient de l'humour, tes parents. J'aime bien. T'as des informations sur le black market? J'imagine que tu regardes un petit peu le Twitter de la ville, non? Ouais, ça m'arrive, mais bon, je suis pas très fan de Twittos, moi. Tout ce qui est Internet, j'y connais pas grand-chose, hein. Je suis un peu vieux, tu vois. Ouais, et t'as des infos par rapport à tout ça? Je pense que t'as vu, quand même. Parce que... Non, ça me dit... Rien. J'ai aucune info sur... C'est vrai. Le seul blast que je connais du black market, c'est un certain hibou. Rien de plus. D'accord. Ok, un hibou. Comment il s'appelle? C'est quoi son nom? C'est quoi son nom d'hibou? Ah bah j'en sais rien, moi je sais juste qu'il se fait appeler Hibou. Ok, attends, je te rate, t'as juste les mains et je fais un petit truc et j'arrive. Tu bouges pas, Franck. Franck, déconne pas, j'ai pas envie de te buter. Mais tu m'as pas relié la main gauche. Et puis je peux très bien, disons... Non, t'as pas bien compris, je crois. Je t'ai dit que je te liais tes deux mains, je te ligotais tes deux mains. Ah oui, c'est mieux. Donc oui. C'est gauche et droite. C'est mieux. Ah bah oui. Ah ouais. Pourquoi tu comptais faire quelque chose? Ah bah non. Oh. Mais bon, au cas où. Oh, j'ai eu peur. Dommage, j'aurais bien voulu discuter encore avec ce petit Hawk.
Bah je sais pas, apparemment ça avait l'air super intéressant hein, votre discussion là. Et j'ai vu aussi la disparition... Je comptais lui proposer un travail en fait. Un travail dans quoi? De médecin? Non. Un travail dans quoi alors? Bah disons que j'ai entendu certaines rumeurs à son sujet, et je comptais lui proposer une rencontre avec un certain gars. D'accord, quoi? Et le chapeau c'est ça? On peut dire ça, ouais. Ah, donc vous avez pas d'informations sur le black market, mais sur le chapeau vous avez des informations quoi? Bah, c'est sûrement un groupe différent, hein. Vous pensez? Pour un mec qui suit pas beaucoup les informations, vous êtes bien informé quand même, hein. J'aime bien ça. Bah, disons que j'ai mes sources. Donc, moi j'ai une question. Allez-y. Y a la rumeur qui tourne en ville comme quoi votre hôpital, ce serait comme une sorte de moulin où tout le monde pourrait y aller et venir comme il veut. Et il y a pas mal de groupes armés qui traînent aux alentours de votre hôpital. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça ou pas? Comment vous pouvez expliquer ça? Bah, d'ailleurs, je cherche ces gars-là. Tu cherches? Tu les cherches? Mais pourtant, ouais, ouais. Pourtant, j'ai des témoins qui ont vu ta camionnette en fait pendant une attaque. Ah oui, parce que. Ouais. Bah oui, parce que en fait j'étais parti. On a une nouvelle réforme à l'hôpital avec oui. Les ambulances. Ouais, bah maintenant oui. On peut aller récupérer les natifs pour se faire du fric. D'accord. Pour se faire du fric. Ok. En parlant de fric, t'as de l'argent sur toi là? Bon, je vais en faire peut-être 500 $, un truc comme ça. Oh, ouais. C'est pas intéressant, ouais. Et du coup, donc en fait. Effectivement, ouais. Parce que je sais pas si t'as vu aussi, mais il y a le pauvre Doucet qui a disparu là. Bah ouais, j'ai cru comprendre ça, ouais. Mais ouais, ouais. Bah ouais, mais tu sais où est-ce qu'elle a disparu ou pas? Ah bah non, aucune idée, ouais. Et bah bizarrement, juste en bas de ton hôpital. C'est fou quand même ce nombre de coïncidences. Parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est que la ville est quand même assez grande, quoi. Et c'est quand même fou qu'ils disparaissent pile en bas de ton hôpital quand ta camionnette est garée en bas. Et que t'en es. Bah, tout le monde. J'avais rendez-vous avec lui pour le PPA. Ah, et en fait. Du coup, moi, j'ai attendu. D'accord, donc il disparaît. Il disparaît pile au moment où il a rendez-vous avec toi. C'est fou quand même cette coïncidence incroyable. C'est fou, hein. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens disparaître quand ils avaient rendez-vous avec moi? À part Monsieur Doucet. Bah, moi des noms. C'est déjà pas mal quand même, hein. C'est déjà pas mal, hein. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas qu'il a disparu, c'est qu'il a été assassiné, en fait. Parce que disparaître, bon, c'est pas un souci, quoi. Tout le monde peut disparaître. Mais assassiner, une vidéo qui tourne sur le net. Comme Monsieur Masaki, ouais. Masaki? Qu'est-ce qu'il a, lui? Bah, je sais pas, c'est un de mes gars qui a disparu aussi depuis 2-3 jours, ouais. Merde, bah, j'ai l'impression que toutes les personnes qui gravitent autour de vous disparaissent. C'est fou, quand même. Vous serez pas quand même lié à... C'est vrai que c'est bizarre. À une organisation criminelle, quand même, Doc. Non. Pourquoi je ferais ça? Non. Je suis déjà assez bien payé, déjà. Ah ouais? Je suis déjà bien assez payé en tant que chef d'hôpital. D'accord, vous faites ça pour l'argent, du coup, hein. Comment ça, je fais ça pour l'argent? Bah, je sais pas, vous me parlez d'argent, payé, de fric. Bah, vous me parlez de genre, vous faites ça, vous faites partie d'une organisation. Bah, non, je suis bien. Ah, mais la motivation. Partie d'une organisation. Ah, mais la motivation des organisations des gangs, c'est pas forcément l'argent, hein. Surtout la soif du pouvoir. Et pourquoi j'aurais buté de Doucet d'ailleurs? Bah, à vous de me le dire. Moi, ça me fait chier qu'il soit mort. À vous de me le dire. Parce que ça m'aurait intéressé qu'il fasse son petit braquage. Avec ah un ouais. certain DiCaprio et un certain Hook. Alors, oh, attends, Hook, attendez, là, faut me remettre un petit peu l'histoire dans... Parce que là, vous me donnez des pièces du puzzle, c'est à moi de les remettre. Hook, c'est bien le gars avec qui tu parlais tout à l'heure. Ouais, ouais. Donc toi, tu voulais que Hook fasse un braquage avec qui? Avec un certain DiCaprio. D'accord, et pour quelle raison tu voudrais qu'il fasse ce braquage-là? Bah disons que le petit Doucet, disons qu'il m'a parlé de son braquage. D'accord. Et que lui... disons, contre des informations que j'aurais pu lui donner concernant la police, il m'aurait donné une part. Ouais, d'accord, ouais. Donc Doucet t'aurait promis en fait une part ouais. du braquage. C'est pour ça que ça me fait chier qu'il soit mort. Bouge pas, Doc, hein. T'as prévenu quelqu'un ou pas? Non, j'ai prévenu personne. D'accord. J'arrive. Y'a un mec armé là. Ok, viens, reste devant moi. Y'a un mec armé. Bouge pas. Bouge pas, Doc. Bouge pas, Doc. C'est qui les mecs là? Bougez pas ou je le bute! Bougez pas! Bougez pas ou je le bute, c'est un homme mort! Baissez vos armes! Baissez vos armes! Restez! Baissez vos armes! Partez! Baissez vos armes! Ne vous inquiétez pas, c'est... Partez! Y'a pas de problème sur ça! Dégagez! Y'a pas de problème! Dégagez les mecs! Ouais, dégagez! T'es sûr de tu... sous contrôle. À 3! Ouais. Dépêchez-vous! Ah, c'est bon, recule. Dégagez les mecs! Doc, c'est quoi cette histoire, Doc? Comment ils savent que je suis là, avec toi? Parce que je suis toujours suivi à chaque moment. Garde tes bras. Comme ça, t'es suivi à... Je t'avais dit de prévenir personne. C'est impossible qu'ils soient venus comme ça. Personne. De base, il y a toujours une personne qui me suit en ville. Ah, mais là, ils sont deux, quand même. Écoute, Doc, tu vas dire à tes gars de bouger tout de suite, ok? On va prendre ta voiture et on va bouger, d'accord? Si tu veux pas ce que je dis, c'est une balle dans la tête. C'est clair? Ah ouais, c'est clair. Dis-leur de bouger, là, je les vois, ces marioles, là. Dépêche-toi.
On avance et tu leur parles. On avance ensemble. Dis-leur de venir. Ils jouent à cache-cache ou quoi? Les mecs, je vous vois, hein. Arrête-toi donc, arrête-toi. Bon, le mec là, dans l'escalier là, descends, dépêche-toi. Viens. Ramène-toi, wesh. Dis-lui de venir ou je te mets une balle à la tête, dépêche-toi. Je le vois là. Je vois sa tête là. Ils ont rien à voir là-dedans. Je m'en bats les couilles, ils sont venus, maintenant ils ont quelque chose à voir là-dedans. Dis-leur de venir. Et ils baissent leurs armes. Vous mettez pas là-dedans, ça, rien. Les mecs là. Écoute. Bouge pas, écoute, Doc. Je peux très bien vous donner. Juste laisse-moi parler. Les deux mecs là. Si vous pas que Doc il meurt, descendez. Écoute. Non, c'est toi qui écoutes, Doc. J'ai envie qu'ils viennent. Je suis désolé, j'ai envie qu'ils viennent. J'ai envie de les voir. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici? Ils viennent, ils déposent les armes, après on discute. Comme des hommes. Ils m'ont suivi. Bah c'est bizarre parce que vous avez votre arme braquée sur moi. Ils sont deux, moi, c'est Doc, pas vraiment ok comme un homme. Bah écoute, ils rangent leurs armes, je range mon arme. Y'a aucun souci. Eh bah ok, bah du coup, je leur demande de ranger leurs armes. Bah dis-leur de venir déjà. Okay. Dis-leur de venir. Rangez les armes. Les gars, rangez vos armes. Et donc, restez les armes. Waouh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi là? Vous faites quoi les gars? Doc, c'est qui ces gars là? T'es entouré. C'est qui ces gars là? Eh les gars! Tu sais ça. Les gars. T'es entouré. J'ai un otage. Pas de conneries. J'ai un otage, les gars, vous bougez pas. Je sais que t'as un otage. Bah faites pas les bons là. On va régler ça tranquillement. Vous voulez quoi? C'est quoi votre souci? Je parle tout au Doc. Ce qu'on veut, c'est que tu le laisses en vie. Écoute. Jamais eu l'intention de le buter. Pourquoi vous venez armé? Pourquoi vous venez à 4, les mecs? Ou à 5? Pourquoi vous venez à 4? Qu'est-ce qui se passe? Écoute. Ils baissent leurs armes, tu baisses ton arme. Et on discute proprement. Ok. Comme vous avez envie Écoutez les mecs. Baissez votre arme et je baisse la mienne. Baissez vos armes, les mecs. Et toi là-bas là? Baissez vos armes. Eh, tous devant moi, personne derrière moi. Mettez-vous tous devant moi. Ça marche. Doucement, mec, doucement. Doc, viens, recule-toi. Doc, viens. Viens vers moi, n'aie pas peur. Fais pas de conneries, hein. Vous êtes plus que ça, les gars. Vous êtes plus que 3, hein. Vous êtes au moins 4. Voilà, il joue à cache-cache ou quoi, lui? Y'en a un autre ou pas? Voilà. Doc, y'en a un autre ou pas? Y'en a un autre ou pas? Est-ce qu'il y en a un autre ou pas? Y'en a pas d'autre. Ok. Tout cela. Comme des hommes, on l'a dit, hein? Comme des hommes. Tu peux baisser ton arme. Comme des hommes. Voilà. Du coup, les gars, vous êtes qui? Comme bonne foi, c'est juste des gars que je connais. Ils ont rien à voir là-dedans. De bonne foi, on va prendre ma voiture et on va partir discuter. Attends, Doc, à une seule condition. Personne nous suit. Ouais. Toi et moi, comme des bonhommes, ok? Ça marche. Venez. Désolé, je leur ai aidé de pas me suivre. Bah ouais, désolé, t'as failli te prendre une balle dans la tête, hein, Doc. C'est quoi ces conneries? Venez. C'était chaud, hein. C'était qui ces mecs, Doc? C'est un gars que j'ai demandé de suivre. Mais attends, mais c'est et impossible. Ce gars-là, il connaît d'autres gars. Mais c'est impossible qu'ils aient pu nous suivre, c'est impossible. Je lui ai vraiment demandé de me suivre. Et quand je dis me suivre, il me suit H24. Ok. Et pourquoi c'était 4? Parce que ce gars-là, il a d'autres connaissances. Ouais. Eh, n'oublie pas que j'ai toujours ton téléphone, hein, Doc, hein. Ouais. Bon, ils vont encore nous suivre ou bien... Il y aura un deuxième sketch. Du coup, maintenant, est-ce qu'on peut parler entre bonhommes, maintenant? Vas-y. Sans masque, sans gun. Ça dépend, tu veux parler de quoi? De ce qui s'est passé avec Monsieur Doucet. Vas-y, je t'écoute. Vous vous demandez pourquoi Doucet est mort? Yep. Doucet est mort parce qu'il a la langue bien pendue. Non, mais surtout, Doc, ce que je veux savoir... Je veux savoir, c'est... Par qui il est mort? Par quelle main, en fait, il est mort? Moi, ça, j'en sais rien. Mais je peux vous dire que Doucet avait la langue bien pendue. Ouais, mais il avait pas la langue bien pendue, il était un peu simplé, quoi. C'est ça son problème. Mais il était pas méchant, en vérité. Ben, je vais pas vous mentir, mais Doucet, le premier jour qu'il voulait mettre son plan en place pour la banque, j'étais au courant. Alors qu'on se connaît pas vraiment beaucoup. Ok, du coup, pourquoi il est mort? Parce que, apparemment, il y avait des gars qui étaient déjà sur ce casse. Ok. C'est qui? C'est le Black Market? Sur ce casse de banque. Là, j'en sais rien. Le Black Market, que ça soit Ghost ou El Chapeau, ça j'en sais rien. Ok. Mais toi, mais attends, mais moi je comprends pas en fait, Doc. Toi, t'es un simple médecin en ville. Pourquoi est-ce que, en donnant rendez-vous à Hawk, tu te permets en fait d'avoir carrément une garde rapprochée?
Tu fais quoi en ville? T'es qui toi en fait? Parce que c'est quand même bizarre, moi je connais aucun médecin en ville qui a une garde rapprochée comme ça, je suis désolé. C'est quoi ton réel métier? Disons que j'ai pas mal bourglinder en ville. T'as quoi? Disons que ça fait pas mal de temps que je suis en ville maintenant. Ouais. Et disons que j'ai pas mal de contacts. Non mais ça je comprends tu vois. Et disons... Mais ces gars c'est qui? C'est juste des connaissances, des gars qui me doivent des faveurs. Ouais, pour une piqûre, un vaccin, un rappel de vaccin? C'est ça. Bah putain. Donc du coup... Attends, juste dis-moi, est-ce que c'est eux le black market ou pas? Non. Ok. Le black market, eux, ils font pas dans le dégueulasse. Ils font plutôt dans... on me voit pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc tes gars là, ils sont dégueulasses en fait. C'est pas des gars à moi, c'est juste des connaissances. Je sais pas, bah pourquoi ils te protègent alors? Frère, ils te protégeaient bien, hein, on aurait dit tes gosses. Parce qu'ils me doivent des faveurs, et des grosses faveurs on va dire. D'accord. Bah putain, je sais pas ce que tu leur as fait frère, mais bien hein. Bref, du coup, Doucet est mort parce qu'il avait la langue bien pendue. Ouais. Et son groupe, Monsieur Hawk et un certain DiCaprio, comptaient faire ce braquage. D'accord. Mais pourquoi, attends, mais je comprends pas, mais pourquoi, coup... pourquoi si c'est Doucet, Hawk et DiCaprio qui voulaient faire le braquage, pourquoi est-ce que c'est Doucet qui a été buté? Ça, j'en sais rien. D'accord. Parce qu'apparemment, ils parlaient beaucoup trop. Et disons que ces gars-là, ils voulaient pas qu'ils continuent à parler pour pas que la police, disons, commence à tourner autour de la banque. Ok, ok. Ouais, c'est quand même bizarre, parce que Doucet, il était pas armé, à ce que je sache, hein. Donc, braquer avec quoi? Avec son sgeg? Les mecs étaient vraiment pas bien informés. À quel moment on va faire un braquage alors que le gars n'est pas armé, quoi? À quel moment ce gars-là peut présenter une menace? Ça n'a aucun sens. Bah, j'en sais rien. Mais en tout cas, peu importe qui présente une menace ou non, si la police commence à tourner autour de la banque, apparemment, ça aurait été mal vu par ce groupe. Ok, ouais, je peux comprendre, ouais. Est-ce que t'aurais des informations... D'autres questions? Bah oui, est-ce que tu aurais des informations de plus par rapport à Doucet? Parce qu'en gros, tu m'as rien appris quoi, à part qu'il préparait un braquage, mais toute la ville était au courant en vérité. Moi je veux des noms. Qui a buté Doucet? Est-ce que surtout toi, est-ce que t'es impliqué là-dedans? Parce que vu les mecs, écoute, moi Doc ça va être simple tu vois. Il m'a été rapporté de source sûre que Doucet a été enlevé par des mecs qui étaient armés et cagoulés exactement comme tes potes là tu vois. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences tu vois. Et il a disparu au moment où il avait rendez-vous avec toi à l'hôpital. Donc... On a dit qu'on parlait. Des mecs cagoulés, il y en a partout en ville. Ouais, je suis d'accord. Mais des mecs 4 comme ça, et bien équipés avec des voitures rapides, il n'y en a pas énormément. Alors moi j'ai une question simple, Doc. Est-ce que toi, t'es impliqué... J'ai pas l'impression que vous soyez en ville depuis bien longtemps. Est-ce que toi, t'es impliqué dans l'enlèvement de Doucet d'une quelconque manière? J'ai rien à voir là-dedans. Mais pourtant, t'es très très bien informé, hein. Ça qui est bizarre en fait. Pour un Doc... Comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal d'oreilles en ville. Mais ça fait longtemps que je suis en ville. Ouais, je vois ça, ouais. Ok. Bah écoute, je pense que j'ai plus trop de questions à savoir que t'es quand même bien entouré pour un simple citoyen et t'en connais énormément sur le côté criminel de cette ville, tu vois. Donc je vais quand même garder un œil sur toi, Doc. D'accord? Au cas où tu changerais d'avis par rapport à cette entrevue et que tu veuilles me rechercher malgré le fait que t'aies pas mon nom ni mon visage, tu vois. Mais Ouais, mais je préfère compris, qu'on reste. D'ailleurs c'est dommage parce que moi je pensais qu'on allait parler à visage découvert. Je préfère qu'on reste sur de bonnes bases comme celle-là, si tu vois ce que je veux dire. Bah, ce que je te propose, Doc, c'est que je vais enquêter sur toi, tu vois, et je te recontacterai dans quelques jours, et à ce moment-là, on fera une entrevue à visage découvert, ça te va? Ouais, ça me va. Ok, pas de soucis. Parce que vous avez pas de vago. Bah non, je pense que je vais prendre la vôtre, ça vous dérange pas? J'allais proposer, ouais. Ok, ça marche, je vous laisse ici. De bonne foi, laissez-moi ici, ouais. Ok, vous ça marche. Vous mon téléphone ou vous allez chez Allo? C'est quelle marque votre téléphone? Ça j'en sais rien, c'est peut-être un 3310 quoi. Parce que si c'est un Wiko, je le jette hein. Non, c'est un 3310. Un 30... Miskint, bon, ok c'est bon je vous le rends. Merci. Bon bah Doc, je passerai de temps en temps à l'hôpital vous faire un petit bonjour anonyme, ok? Ouais. Vous me passez les clés de la voiture s'il vous plaît? Regardez pas ce qu'il y a dans le coffre. Y'a aucun souci par rapport à ça. Sinon, par contre, je suis obligé de jeter votre arme à l'eau. Hein. Je suis vraiment désolé. Hein. Ouais, dégage, problème, ouais. Loin de tout ça. Satané arme. Bon, bah quand même la bise, Doc. Fais-moi la bise. Ouais. La bise. Non, mais fais-moi la vraie bise. Je veux le bruit. Ah, bah voilà, c'est cool, ça. On s'y est au courant, Doc. Pas de bêtises, hein. Ouais. Oh. Allô? T'es où? Voilà frère, j'ai fait un V6, je vais te raconter. Sérieux? Ah ouais frère, c'était chaud de ouf. Eh hey, go, appartement, plage. Vas-y. Eh hey, gros, je suis arrivé, j'ai vu un véhicule noir. Ouais frère. C'était ça? Frère, il y avait deux véhicules, ils étaient 6 frère avec le doc. Un V6. Un V6, on calme. Eh, hey, y a pas eu un seul tir tiré. Faites attention hein. Voilà putain. Eh, hey, j'ai le véhicule de doc là. Je suis reparti, au calme. Allez, j'arrive tout de suite.
Vas-y. Pouh, les mecs, c'était chaud. Voilà, c'était chaud de ouf. Dibril de Habs. C'est sûr, il est au Habs. Il est au Habs, Pskin. Pah, t'es mort. T'es sérieux, tu me braques? Ça va, tu m'as fait peur, frère. Toi, t'as sahbi. Eh, j'ai perdu 10 kilos. Bah, eh, gros. Frère. Oh, ah, comment tu m'as fait peur? Pourquoi? Tu sais que... Bah, regarde, tu m'as pris mon téléphone. Ouais. Je suis parti donc à une épicerie, on va prendre un autre, vu que ah, j'avais pas. Ah ouais, putain, bah ouais, bah ouais, je pouvais rien mais faire. Mais c'est pour ça. Ouais, désolé. Enlève ton masque, wesh. Eh. Hey. Non, oh. Jamais, hein. Frère, ouais. Il s'est passé un truc de ouf. Tu sais qu'ils sont venus... Non, explique-moi, sincèrement. Regarde. Eh, tu sais que regarde, touche mon cœur, comment il bat, sans. Écoute, je parlais avec le doc, tranquillement. Je lui ai demandé sa carte d'identité, il m'a dit non, je l'ai pas, je lui ai mis un coup de taser, il me l'a passé et tout et tout. Frère, j'ai entendu une voiture arriver. J'entends une voix, il s'appelle Frankenstein. Je sais pas, frère, je l'ai pris tout, son téléphone, son mode de communication, bref, j'ai pas compris, tu vois. Et du coup, j'ai prévenu quelqu'un. Et frère, j'ai regardé, il y avait personne qui nous suivait. Ouais, lui, il m'a dit non, des mecs nous suivaient et tout. Écoute, c'est pas fini. Et du coup, j'entends une voiture qui arrive, voiture rapide, tu vois. Je fais, c'est pas haut, c'est pas possible, tu vois. Je descends. Enfin, tu sais, je descends les marches, je l'ai mis dans un coin, le docteur, pour avoir un visuel sur les deux côtés, tu vois. Et frère. Je descends, je vois quoi? Je vois deux mecs cagoulés, grosses armes et tout. Je fais, je fais, Doc, viens ici, il passe devant ma bam. Je dis, viens, on va avancer vers tes gars, tu vois. Je dis, t'as prévenu quelqu'un? Il me fait, non. Tu les connais, les mecs? Il faut, les deux mecs sont venus vers moi, tu vois. Je fais, vous avancez encore d'un seul pas, je lui mets une balle dans la tête. Il était en mode, bouge pas. Je fais, ferme ta gueule, je mets une balle dans la tête. Après, Doc, il a fait, c'est bon, les mecs, reculez et tout. Ils sont partis et tout. Ah, ça, c'est, ouais, c'est cool, ça. Écoute, je lui fais, attends, je lui fais, mais ces mecs, est-ce que tu les connais? Il me fait, non, je fais, avance. On est partis les voir et tout. Ils étaient cachés dans les trucs, les passerelles d'avion là. Je fais, les mecs, vous jouez à cache-cache, quoi? Descendez, tu vois. Ils sont descendus et tout. Je fais, quoi? Vous le connaissez ou pas? Après, ils ont pas répondu, tu vois. T'sais, ils parlaient même pas, tu vois. Le Doc, il leur a dit, il leur a dit, ouais, les mecs, restez là-bas. J'ai dit, ok. J'ai continué à avancer vers eux, tu vois, je leur ai dit, les gars, ça va être simple, vous mettez devant moi, vous rangez vos armes et je range mon arme, ok? Donc il a dit, ok, on fait ça. Au moment où j'allais faire ça, tu vois, il y a une autre voiture qui est arrivée, je dis, ah, alhamdoulilah, c'est Hawk. Wesh. Je voyais deux mecs, ils me braquent comme ça, je fais, alhamdoulilah, c'est quoi ça? Mec, ils étaient 5-6 autour de moi, frère. Oui, c'est l'armée. Ils m'ont dit, lâche ton arme, ouais. J'ai dit, vite ma mère, je mets une balle en tête à ton Doc, y'a rien du tout, frère, j'ai un otage. Après, Doc, il dit, c'est bon, les gars, reculez. Je fais, les gars, vous mettez en ligne, comme ça, tous devant moi, j'en veux pas un derrière moi, tu vois. Et ils ont fait ça, je leur ai dit, vas-y, comme des bonhommes, on range notre arme. Ils ont rangé leur arme en premier, j'ai rangé la mienne, et on a discuté. J'ai dit, Doc, viens, on se taille. Doc, il m'a dit, viens, on prend ma voiture. Je dis, ok. On a pris la voiture, les gars, ils nous ont pas suivis, tu vois. On a parlé avec le Doc, et il m'a dit, en gros. Il voulait... c'est toi ou pas? Non, j'ai pas montré mon visage. Okay. Non. Il m'a dit, ouais, Hawk, je voulais lui parler parce que je voulais lui proposer un travail. Je dis, quel genre de travail? Il me dit, bah, je sais pas, il me recontactera et tout. Il m'a dit, par contre, je suis déçu que t'aies pas montré ton visage et tout. Je dis, tu sais quoi? Je vais enquêter sur toi, sur les informations que tu m'as données, tu vois, par rapport à Doucet, etc., etc. Et je dis, mais comment ça se fait que toi, en tant que médecin, t'as une garde rapprochée comme ça? Tu fais quoi en ville, tu vois? Il me dit, non, c'est juste des gars que je connais de loin. Ouais. Je leur dois juste, ils me doivent quelque chose. Je dis, quoi? Un rappel de vaccin? Ils doivent quoi, frère? Après, il m'a dit, non, et tout. Moi, ça fait longtemps que je suis en ville, donc j'ai des contacts et tout. Juste toi, Black Market, il me fait non, c'est pas moi et tout. D'ailleurs, je suis pas trop les actualités, je dis parce que c'est bizarre. À chaque fois qu'il y a un enlèvement, un truc comme ça se passe en bas de ton hôpital, que ce soit pour ton Ethan qui a disparu, c'était un mec de ton staff, le Doucet, c'était un mec qui a disparu en bas de ton hôpital. C'est bizarre, ton hôpital, on dirait que c'est la bouche des enfers, frère. Et il me dit bah non, je comprends pas et tout. Je dis écoute, je vais enquêter sur toi pendant quelques jours et on va se redonner rendez-vous, juste toi et moi, à visage découvert, on va discuter. Il m'a dit ok, j'ai pris son téléphone, je lui ai redonné son téléphone, par contre, son arme, je l'ai jeté à la mer. Et puis j'ai repris sa voiture, et puis je suis venu directement ici quoi. Mais c'était Tandax hein. Et tu l'as déposé ou il est où là? Frère, il est resté là où on s'était rendu, il est à côté de la mer là, il est sur un dock. Mais frère, j'étais à l'aéroport, c'était trop personne, juste un véhicule noir. J'ai pas compris. Ah, ils ont bougé parce que ces mecs ont bougé. J'étais. Moi dans ma tête, c'est là, putain, à mon avis, il y a 10 ans, ils l'ont chopé. Non. Après, moi j'étais prêt à mourir. Ces personnes viennent là. Voilà, j'étais prêt à mourir. J'ai dit, premier carré, il me bat dans la tête. J'en ai rien à foutre, frère. D'où tu mets la prison comme ça? Mec, ils sont arrivés, bouge pas. J'ai dit, quoi, bouge pas? J'ai un otage. Enfin, bref, tu vois, c'est bien passé. Moi, je suis parti acheter une arme, tu vois, pour aider s'il y a besoin, tu vois. Ah, ouais, franchement, t'aurais dû venir. En fait, je voulais. En fait, c'est pourquoi je voulais que tu viennes pour qu'on vienne ici à l'appartement, qu'on questionne tranquillement. Comme ça, le premier qui rentre, tu vois, on peut voir, tu vois. Là, j'étais trop exposé, tu vois. Bah dis-toi, moi, je pense aussi à toi, parce que le truc, c'est que si je voulais un véhicule, les flics allaient arriver sur place et ils allaient peut-être te choper si t'allais partir, tu vois. Ouais, ça le truc, tu vois. Donc je me suis dit, je voulais pas t'attirer des ennuis. Ouais. Et le problème, c'est que j'avais pas de téléphone pour contact. Enfin, j'avais pas de téléphone, rien. Hey, des nouvelles de Dibril? J'ai eu un téléphone. Le Habs, non?
Non, bah je sais pas, frère, parce qu'en fait, à un moment, il y avait les flics sur lui, puis j'ai entendu faire à la radio, merde, tu vois, merde. Plus de nouvelles. Parce que du coup, il y a pas de nouvelles par rapport à au mec, là, Doumé et tout. Lui, il a dû se faire choper aussi, non? C'est pas, frère, t'as vu. Parce que lui, lui, il a mon visage, hein. Il a mon nom, mon visage, mais bon, je pense que ma réputation, ça va lui suffire, je pense, à dissuader d'aller voir les flics, quoi, tu vois. Je l'ai pas menacé, mais je lui ai fait comprendre, quoi, tu vois. Tu m'as rappelé, il s'appelle comment, le doc? Attends, il y a une voiture, il y a une Mireille, là. Ah, c'est Papy, C'est Papy qui est passé, je l'ai vu. Ouais, c'est Papy, ouais. Comment il s'appelle qui? Frankenstein. Frankenstein. Non, juste ouais, Frankenstein, ouais. C'est son nom, ouais. C'est son nom, quand ouais. Quand je vois sa tête, ça me fait penser à Frankenstein. Ah ouais, hey, frère, voilà, il avait une armée. Ce mec, c'est le Black Market, hein. Et ils avaient quoi comme arme en main? Il y en a un, il avait une grosse arme, frère. Il avait une grosse arme. Il y en a deux. Genre M4, AK, tout ça? Ouais, ils avaient un gros chargeur, toi. Ah, en fait, il y en avait deux. Et en fait, non, en fait, il y en a un qui a voulu rester caché. Tu sais, j'en compte trois. Dans ma tête, il y en a quatre, quoi. Je dis, mais. Hé, le quatrième sort. Il sortit comme ça. En courant au calme. Surprise! Je dis, ouais, je joue à cache-cache, fils de pute ou quoi, wesh! Voilà! Ouais, je pense qu'il était 4 ou 5, ouais, c'est 4 ou 5. Après, moi je vais te dire un truc, tu serais bien de s'approcher de lui justement pour savoir des infos d'où il est ses armes. Bah, frère, t'as qu'à. Tu vois, le travail qu'il va proposer, ça peut être intéressant, non? Bah, ouais. Je vais le contacter. Oui, justement. Je vous appelle maintenant, quoi. Bah, en fait, il t'a proposé un truc par rapport à El Chapeau, il m'a dit de mémoire. Non, il m'a rien dit du tout. Non, moi, il m'a dit ça. Il m'a dit, je voulais proposer un travail à Hawk par rapport à El Chapeau, tu vois. Ah, ça, c'est intéressant. Et il m'a dit, je lui dis, pourquoi Doucet s'est fait soulever? Il dit, parce qu'il voulait faire un certain braquage avec DiCaprio et Hawk. Je dis, ok, mais pourquoi lui, vu qu'il y avait DiCaprio et Hawk qui sont beaucoup plus quand même dangereux et calibrés que lui, tu vois, à quel moment tu vas t'attaquer à un mec faible qui n'a pas d'arme, tu vois? Il me dit, je sais pas. Donc il est bizarre, frère. Faut enquêter de ce côté-là, tu vois. Faut enquêter. En tout cas, frère, alhamdoulilah, je suis toujours en vie. Voilà, c'est un miracle de Dieu. Ouais, frère, alhamdoulilah. Ah ouais, c'est chaud. Mais même moi, je suis. Frère, arrête avec tes blagues de braquer comme ça, parce que quand t'es rentré dans la pièce ici, c'est là. Seigneur Madrid. Non. Tu vois. Voilà. Mais c'est un ouf, frère, voilà. Bon, bah, du coup, Djibril, je crois, il est au hype, ça. Ouais, ça me casse les couilles, parce que Djibril aussi, le hashtag libéré Djibril. Tu penses qu'il s'est rattrapé par les flics avec Doumé, là, ou je sais pas quoi? Bah ouais, 100%. Il m'a dit radio, radio, elle est off. Oh, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, là? On fait quoi? On reste dans l'appart quelques jours, on essaie de se faire oublier, et puis on reprend l'enquête, ok? Ouais, on va se faire discret. Vas-y. Moi, je prends la chambre du fond, hein. M'en bats les couilles. Je prends les... Attends. Ah, y'a Ali! C'est la mienne! C'est la mienne, vas-y. Non, c'est moi qui ai le plus taffé aujourd'hui, t'es sérieux, frère? Voilà, hé, je vais me branler, moi je me branle 4 fois par jour. Donc, tu me vois en train de faire du... Écoute. Ah, non, arrête. Tu vas sortir tout de suite de cette pièce. Arrête. Mais arrête, mais j'ai failli mourir. Tu vas sortir d'ici. Mais j'ai failli mourir aujourd'hui. Et tu vas aller dormir dans les toilettes. Toi t'es sérieux, toi? Toi t'es sérieux, là? Dormir dans les toilettes? Putain, voilà, je vais te gifler, frère.